Je m'y attendais pas. Fait de la mousse. En tout cas, le niveau est le même. Très bien. Deuxième essai, maintenant on va accélérer un peu plus et passer les vitesses. Accéléré cette fois-ci. Allez, hop. Ils ont l'air d'être là. On va passer la troisième pour avoir un peu plus de vue. Ok. Impeccable. Impeccable. Voilà, je la touche. Maintenant, au niveau. C'est 20 cm à partir du plan du joint. Toutes les 100 heures ou les 15 jours, dévissez le reniflard du démultiplicateur et vérifiez exclusivement le niveau d'huile du démultiplicateur à l'aide de la jauge spéciale du lot de bord introduite par l'orifice du reniflard. Si le niveau ne se trouve pas entre les repères maximi de la jauge, refaire le niveau en ajoutant le niveau de l'huile SAE90EP uniquement par le bouchon de remplissage de la boîte. Bon, je vais regarder sur la vue éclatée. Le reniflard du démultiplicateur, c'est lui. C'est pas lui. Ça, c'est bouchon de couvercle. Ça, c'est bouchon de reniflard. Donc, on verra à partir de lui pour mesurer. J'ai un peu nettoyé la gouttière ici.
Bon, la gouttière est nettoyée, c'est mieux. L'huile est transparente. Ok, on va refermer. Première, deuxième enclenché, troisième, quatrième enclenché. Marche arrière enclenché. La deuxième. Ok, c'est bon. Allez, c'est fermé. On va essayer de se bricoler une jauge. Commence à toucher ici. Bon bah on voit l'huile ici. Je fais une marque là. Je vais nettoyer, je vais essayer de faire une marque tout le long et voilà. Bon, je me suis fabriqué une jauge. Je fais une marque là, nettoyer. Là c'est là où doit être le niveau d'huile. Donc là j'ai fait les niveaux. Dans la doc on prend le niveau seulement par ici. Ensuite, j'ai mis un collier là où ça touche en haut. Ça touche le fond, ça touche au fond en bas. Et je l'enfile. Faut passer entre les roues. Je suis au fond, je remonte. Je suis au niveau. Quand ça sera beaucoup plus bas, je ferai le niveau. Bon là je vais réessayer juste avec le collecteur pour voir. Là j'ai remonté toute la boîte du coup. Elle est fermée comme on voit au joint. Enfin avec la pâte à joint quoi.